merci à tout le monde de participer à cette petite présentation et désolé pour le retard, mais quelques soucis techniques. On a une demi-heure pour vous présenter. Donc, je suis Pascal Pernaud, la société Hybrid Software, et notre client, Axel Lamotte, du groupe AVEC. Et on nous a demandé de faire une petite présentation sur les flux de production du packaging de demain. En fait, on nous l'a demandé de faire cette présentation avant Covid. Donc en fait, on a laissé demain, mais finalement, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est réellement ce qui fonctionne à l'heure actuelle dans l'entreprise d'Axel. Donc voilà. Je vais juste rapidement, en quelques slides, vous présenter qui nous sommes, nous, Hybrid Software. On est une société qui avons fêté nos 10 ans et on développe du logiciel principalement dédié au monde du packaging. Packaging pour nous, c'est l'étiquette, c'est le carton plat ou ondulé, c'est le souple, le film. Et notre métier, c'est de fabriquer des logiciels, bien sûr modernes et innovants. Mais en fait, on s'est aperçu quand on a recréé notre société et ces logiciels-là, c'est qu'il fallait coupler à l'intelligence du logiciel le support informatique sur lequel on allait travailler, parce que c'est un monde qui évolue très très vite. Donc on a essayé de regrouper les deux expertises. Le but, c'est d'être à l'écoute de nos clients, dont fait partie Axel, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans l'assistance là, et puis de travailler avec vous pour développer le logiciel par rapport à comment le marché évolue, et on sait que les deux dernières années nous ont montré que les évolutions pouvaient être tout à coup très rapides. Rapidement, pour vous présenter les résultats de la société Hybrid Software, à la fin 2021, c'était 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur deux produits, on ne rentrera pas trop dans les détails techniques, mais un éditeur qui s'appelle soit PackZ, soit StepZ. C'est aujourd'hui 4200 licences qui sont installées et fonctionnent dans le monde entier. Et CloudFlow, qui est notre flux de production, basé sur une interface web. Et aujourd'hui, c'est plus de 1050 licences et donc serveurs installés pour une base clientèle qui représente 1100 clients dans le monde entier. On est 152 personnes chez Hybrid Software, mais dans ce slide-là, il y a quelque chose qui est surtout important. C'est la petite part de camembert violet que vous voyez à l'écran, bleu, excusez-moi, au-dessus, qui représente à peu près 20%. 20%, c'est 20% chez nous de personnes travaillent aux recherches et développement. 20% de nos résultats sont réinvestis dans le recherche et développement. Et aujourd'hui, dans une société qui fait du logiciel, si on, tous les jours, on ne se réinvente pas, la solution devient vite obsolète. Merci Pascal et bonjour à tous également, merci de m'avoir invité. On aurait dû mettre mes chiffres avant les tiens parce que finalement ça va faire petit, hein. Nous, on va faire petit après vous, mais c'est pas grave, on va quand même faire. Donc je m'appelle Axel Lamotte, je suis le gérant du groupe AVEC, donc qui est constitué de quatre sociétés, à savoir Azure Adhésif du côté de Grenoble. Ensuite, on a Mexichrome qui est du côté de Fort-Calquier, Giflex sur l'ouest lyonnais et une partie studio de création qui est en interne. Donc on est un généraliste. Ce qu'on appelle généraliste, c'est ce qui s'adresse à tout type de marché, hein. On n'est pas dédié de l'alimentaire ou que de l'industriel. Donc on est un petit peu sur tous les volets, ce qui se rend assez intéressant un peu plus tard dans notre discussion vis-à-vis de l'intégration de hybride et software et également de CERM. On est 40 collaborateurs. On a atteint péniblement pendant le Covid 7,35 millions de chiffre d'affaires. Et on imprime environ 800 000 étiquettes par jour. Dans nos domaines de compétences, et c'est là où on voit un petit peu la diversification de ces logiciels qui puissent nous accompagner, notamment dans nos flux, c'est qu'on est capable de travailler alors beaucoup, évidemment, les étiquettes, adhésives, non adhésives, que ça soit livré et ainsi de suite, hein, comme vous pouvez le lire. On est également dans le print traditionnel, tout ce qui va être brochure, flyer, dépliant. Et notre dernière branche, qui est donc le design, le studio, depuis à peu près maintenant un an, pour apporter un peu plus de valeur ajoutée à nos clients, les aider dans la conception de leurs étiquettes, la conception de leurs flyers,
Parce que bien souvent, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de choses à leur apporter plutôt qu'un cahier des charges qui est déjà défini. Et d'un point de vue technologie, on dirait IT, je n'avais pas vu avant. On va travailler en sérigraphie, la Flexo, du jet d'encre, donc deux machines numériques à l'intérieur du groupe. On a aussi tout ce qui va être de l'offset, complexage, découpe. On avait de la découpe laser, donc c'est assez diversifié, mais c'est ce qu'il faut de toute façon pour pouvoir être un généraliste. On a à cœur, alors ça fait longtemps qu'on est déjà imprime vert, qu'on est déjà ISO 14001. On a à cœur d'essayer d'être plutôt moteur que de subir cette mouvance éco-responsable. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. On essaye de beaucoup apporter dans nos préconisations. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui est important. Hein. C'est une démarche qui est vraiment ancrée. Et également, on fait partie de l'UNFEA. Juste derrière moi, donc l'UNFEA est la fédération des étiquettes, des fabricants d'étiquettes adhésives, dont je représente moi-même la vice-présidence au bureau, et d'autres logos UL et Qualetic que peut-être vous avez déjà croisés. Juste pour parler rapidement de ce qu'on va vous présenter derrière, il y a bien sûr nous, Hybrid Software, nos clients, Azure Adhésif, le groupe AVEC et Axel, mais il y a aussi nos partenaires, parce que nous n'avons pas la prétention de vouloir tout faire, et surtout on pense qu'on doit se concentrer sur notre cœur de métier, et plutôt discuter et partager l'information avec les gens qui font les choses correctement. Aujourd'hui, nous sommes un groupe, donc aujourd'hui consolidé, vous avez Hybrid Software, mais également la société Global Graphics, qui représente le riz par le quin, présent notamment dans un grand nombre de DFE de presse numérique, mais pas que. Nous avons la société Color Logic, qui va pouvoir accompagner les clients sur la gestion couleur. Et puis le dernier qui vient d'arriver dans le groupe, qui s'appelle IC3D, qui va être capable de faire de la présentation 3D, que ce soit sur de l'étiquette ou tout autre type. Et puis autour, on a un grand nombre de partenaires. Alors, je ne vais pas tous les énumérer, mais aujourd'hui, dans la présentation qu'on va vous faire, le groupe AVEC a choisi de travailler avec un système ERP, MIS, il y a plein de noms qui circulent autour de ce système-là, qui est la solution CERM. Malheureusement, CERM n'est pas présent sur le salon et son représentant est actuellement en Grèce. Ce qu'il peut. Il démarche. Mais voilà, mais on va essayer de résumer un petit peu, du coup, le flux logique de gestion de la prise de commande client à la livraison finale. Ce que je propose, Axel, c'est que je fasse la présentation et puis tu m'interromps, tu me donnes ton avis. En fait, aujourd'hui, le système ERP choisi par le groupe AVEC va présenter d'abord une plateforme web, une fenêtre web d'accès qui va lui permettre d'avoir accès au CRM et donc de pouvoir recevoir et gérer les devis, de pouvoir accéder aux produits, à ses produits, le client pourra accéder à ça et bien sûr à ses commandes. Je pense que, si tu veux revenir juste un instant, excuse-moi, je vais faire marche arrière, si on y arrive. Je pense que ce qui est intéressant, alors je connais pas tout le monde bien évidemment, mais certains ont déjà attaqué avec certains flux, certains n'ont que certaines briques, d'autres vont déjà de A à Z. Mais dans la plupart de nos entreprises de nos jours, on essaie surtout de faire la chasse à tout ce qu'on n'arrive pas à vendre aux clients. Et donc, plus il y a des gens qui travaillent sur des dossiers, des sujets, des étapes, mais qui ne sont pas vraiment valorisables d'un point de vue devis, on essaye de les réduire, de les minimiser, de les automatiser, et même, pourquoi pas, de complètement les supprimer. Donc, quand on voit cette suite logique du CRM, devis, produit, commande, bon, bien entendu, il y a une démarche qui va être commerciale. En tout cas, j'espère que ça va jamais s'automatiser, puisque ça reste quand même un moment intéressant de la relation avec nos clients. Mais demain, de faire un devis que j'y passe une minute ou que j'y passe deux heures, le client ne veut pas payer plus cher parce que j'ai passé deux heures à faire son devis. De la même façon, si je m'embourbe dans le sujet pour créer des produits, etc., là aussi, ça ne sera pas une valorisation aux yeux du client, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre en plus.
Donc je te rends la main, mais c'est vraiment cette trame de fond qu'il faut essayer de garder en tête quand on parle de flux. Donc en fait, à la base, on va avoir pour le côté client un produit sur lequel souvent il veut venir appliquer, voilà, en l'occurrence chez toi Axel, une étiquette. Donc ça va donner un fichier graphique, possiblement qui va pouvoir se décliner en versions différentes. Et puis du coup, on va avoir derrière de la technologie, des substrats pour imprimer, une technologie d'encre, la gestion des couleurs, et puis même par moment de la valeur ajoutée sur une étiquette. Aujourd'hui, on voit des étiquettes arriver avec du RFID, avec des choses comme ça. Donc on a toute cette gestion-là. Et en fait, le système CERM aujourd'hui va venir intégrer une base de données. À l'intérieur de cette base de données vont être intégrés tous les paramètres, que ce soit les paramètres de production, les machines, que ce soit les papiers ou autres, les encres. Toute la technologie de l'entreprise en fait va être schématisée dans la base de données CERM, ce qui va permettre en fait de pouvoir proposer, lors de la création d'un devis, différents scénarios liés à la commande, liés à la quantité, liés à ce que veut le client, et d'obtenir rapidement le prix de revient de l'étiquette souhaitée par le client. Effectivement, on en parlait encore à midi, chose qui était assez compliquée à faire avant dans le passé. On a un petit peu schématisé également sur la droite avec le graphique, c'est qu'on pourrait très bien avoir dans une entreprise qui aurait plusieurs lignes de fabrication, chaque ligne ses vitesses, chaque ligne ses façons de faire, mais on pourrait modéliser pour le même devis une façon de faire, deux façons de faire, trois façons de faire, et que ça soit le logiciel sans qu'il y ait besoin d'une intervention humaine relativement chronophage et de quelqu'un qualifié pour dire aujourd'hui non, on le passe en numérique, non aujourd'hui on le passe sur la flexo, non aujourd'hui ça nous permet en tout cas sur ces petits exemples de modéliser que selon la quantité, le logiciel sait trier pour nous et sait choisir. Donc dans le schéma que l'on a vu là, le devis va être réalisé par rapport à la demande du client, va lui être envoyé automatiquement, va y avoir une discussion commerciale avec Axel qui va négocier ou essayer de négocier le moins possible de baisse. Plus cher. Selon les différents scénarios de production et la quantité du client. À partir de ce moment-là et à l'acceptation du devis, très généralement, on est sur un fichier reçu du client et ce fichier va présenter souvent un delta entre le fichier et ce qu'il va falloir comme fichier pour imprimer, parce que souvent, le client il a fabriqué un fichier sans connaître les contraintes techniques derrière de l'imprimeur. Et à ce moment-là, on revient chez Hybrid Software avec un logiciel qui s'appelle StepZ, qui est un éditeur conçu et spécifiquement dédié à l'impression numérique pour le monde du packaging. Aujourd'hui, on voit dans grand nombre de sociétés des opérateurs pré-presse utiliser des solutions, on va dire, plus génériques, mais qui du coup n'intègrent pas les particularités techniques de notre métier. Nous, on a redéveloppé un logiciel PDF natif qui permet de pouvoir traiter très simplement l'étiquette, le fichier pour le carton ou le souple avec les outils nécessaires aux opérateurs. Notre stand est juste derrière et j'ai ma collègue Cécile qui est disponible pour vous donner une petite démo si à un moment donné vous êtes intéressé par cette partie-là. On a donc du coup dans ce logiciel-là intégré aussi les demandes du marché. Et une des demandes du marché, c'est de dire que si j'imprime quelque chose en numérique, j'ai du coup la capacité à la rendre unique. Ce qui n'est pas le cas quand je suis dans une impression traditionnelle, que ce soit offset, flexo, ou là en l'occurrence je vais imprimer une quantité X mais de toujours le même fichier. Là, chaque fichier peut être unique. Il faut du coup intégrer la capacité à pouvoir fabriquer ce fichier pour ensuite l'imprimer. Donc dans StepZ, on a intégré très simplement une solution qui va permettre de gérer en fait le fichier graphique du client plus la base de données qui va permettre de fabriquer la donnée variable. Là encore, on peut vous faire des présentations et puis si vous vous baladez un peu sur le salon, vous verrez peut-être des petits monstres un petit peu partout en adhésif ou en carton qui ont été réalisés avec notre technologie justement de gestion de données variables. On va même un peu plus loin parce que dans la génération de données variables, il y a aussi la partie sécuritaire. On voit de plus en plus de QR codes apparaître sur des étiquettes, des emballages pour sécuriser un peu le produit.
C'est pas le truc le plus sexy du monde, un QR code, hein, c'est des petits carrés noirs et blancs, ça représente pas grand chose. On a donc intégré une technologie qui permet d'aller personnaliser le QR code en y mettant au milieu quelque chose d'un peu sympa. On s'est permis, Axel, de mettre le logo de ton groupe. Il faut, si je peux me permettre de rajouter, puisque c'est une solution qu'on a intégrée il n'y a pas très longtemps, très souvent on a sensation que on va faire du code barre et que du code barre. On aurait pu emmener, puisque vous l'avez sur votre stand, on évoquait les petits monstres. C'est aussi de la gestion de couleurs, c'est aussi de la gestion de format. Ça va vraiment plus loin. On a toujours cet exemple de Coca-Cola, par exemple, qui est sur ces mêmes fonctionnements avec le changement de prénom. C'est pas que de la sécurité. C'est vrai que des fois, parce que nous, on travaille dans l'industrie, et donc on parle souvent de ça, mais le monde de la cosmétique, le monde de l'agroalimentaire sont aussi friands, ce genre de choses. Voilà, pas que du code barre. Le pré-presse a terminé son travail, le fichier est prêt. On va devoir maintenant obtenir une validation client. Cette validation, on va la faire conjointement avec CERM, parce que ça va permettre aussi à CERM d'avoir une traçabilité et où en est l'étape du dossier et d'avertir le client. Donc on va avoir là un aller-retour et des échanges entre nous et CERM qui vont permettre d'aller jusqu'à l'accord client du bon à tirer. Et aujourd'hui, la technologie la plus utilisée ou celle qui va se développer, c'est celle de valider en ligne. Parce qu'effectivement, on est encore aujourd'hui très régulièrement sur « je fais un mail à mon client, je lui glisse dedans une pièce jointe, un PDF, et je lui dis « monsieur le client, est-ce que vous voulez bien valider le bon à tirer ?» Ça veut dire que c'est lourd, c'est un mail qui s'ajoute à de nombreux mails reçus par le client. Pour le client le valider, il faut qu'il ait un outil pour le lire. Et tout ça, ça complexifie. Alors qu'aujourd'hui, on peut, par la technologie web, envoyer juste un lien au client. Il va cliquer dans ce lien et très simplement pouvoir valider ou rejeter, émettre des demandes de correction et avoir une traçabilité dans un processus plutôt simple. Je crois d'ailleurs, Axel, que tu viens du coup de basculer sur cette technologie. Oui, tout à fait. J'en reviens à ce que je disais en préambule. D'envoyer un email, que quelqu'un prenne le temps de, à l'époque, l'imprimer, le renvoyer par la poste. Heureusement, on n'en est plus là quand même. Mais de nous le renvoyer, cette personne doit recevoir son email. Si elle n'est pas là ce matin, on ne sait toujours pas à la production que c'est l'heure. Ça nous a vraiment apporté en réactivité, en traçabilité. Puisque de nos jours, il peut y avoir le N1, N-1, ou peu importe qui peut le valider. Première validation, deuxième validation. Automatiquement, à partir du moment où c'est validé, puisque c'est connecté, les voyants changent dans notre système. Il n'y a pas forcément besoin de l'interaction de la personne qui ne travaille pas le lundi, qui va faire qu'on va déjà perdre encore un jour. Donc c'est vrai que c'est une... Je pense que c'est une prouesse là, qui nous permet de gagner du temps sur quelque chose, encore une fois, comme je disais, qui a peu de valeur ajoutée aux yeux du client. Le client a maintenant validé son article ou ses articles. Et maintenant, on peut passer à l'étape de production. Donc à partir de ce moment-là, de nouveau au sein de CERM, et selon les scénarios de production qui avaient été choisis au moment du devis, on va de nouveau, là en partenariat CERM et nous, recevoir de la part de CERM un ordre de fabrication pour envoyer vers les machines, qu'elles soient d'ailleurs digitales ou pas. Et une petite partie là, qui commence vraiment à faire son bout de chemin chez nous. Après tout le monde est équipé comme ils le sont, mais je pense que le jet d'encre commence à prendre de l'ampleur et le litre d'encre n'est pas gratuit. Sur ces technologies, le fait de pouvoir travailler avec hybride nous permet de très aisément faire remonter les couleurs dans notre logiciel, l'opacité, combien de grammes par centimètre carré, etc. Ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans les analyses qu'on en fait, dans les analyses de coûts, et donc d'être quand même beaucoup plus pertinent quand on veut surveiller notre marge et essayer de tenir à flot l'entreprise. J'ai donc reçu l'ordre de produire et donc on va donc rentrer dans notre flux de production donc qui s'appelle CloudFlow, qui est une solution aujourd'hui basée sur de la technologie web. Donc en fait, on utilise la même plateforme que les clients qui ont validé en ligne. Et au sein de cette solution-là, on va, selon les ordres envoyés par CERM,
laisse papier, format d'étiquette, plaque de découpe, choses comme ça, fabriquer l'imposition. On va ensuite envoyer à chaque système de production nécessaire l'information dont il a besoin. Donc je vais envoyer, là en l'occurrence chez toi Axel, à la presse numérique, les infos que la presse a besoin pour imprimer. Mais je vais aussi envoyer peut-être au sous-traitant, parce que c'est une nouvelle plaque de découpe dont on a besoin, le fichier qu'il faut. Mais si demain il y avait de la découpe laser dans le groupe AVEC, on enverrait juste le fichier pour que la découpe puisse se faire en ligne et choses comme ça. Et tout ça va se faire au sein du même logiciel, interface web, donc qui permet de lui donner accès à toute personne dans l'entreprise ou hors entreprise avec des droits d'accès, des droits de vue. Voilà. Et aujourd'hui, on est à plus de 1060 installations dans le monde. Et on aime bien dire que Hybrid Software aime le cloud parce qu'on a aussi cette faculté demain à dire qu'un flux de production aujourd'hui, c'est très souvent encore un serveur informatique dans une salle dédiée, dans un coin de l'imprimerie, avec des ordinateurs qu'il faut maintenir, des serveurs qu'il faut maintenir à jour, mais qu'aujourd'hui déjà, mais sans doute demain, toute cette solution-là, elle sera plutôt hébergée ou hostée, comme on dit maintenant, dans le cloud, soit un cloud privé d'ailleurs, soit un cloud public. On va donc à l'intérieur de ça, on vous a mis des petites captures d'écran parce qu'en fait l'opérateur ne voit même plus ce qui se passe puisque c'est la machine qui va le faire pour lui. Mais en fait derrière, qu'est-ce qui se passe? On va préparer le scénario d'imposition et comme on était depuis le départ dans une gestion de données variables, on va également intégrer la donnée variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour nous, mais le métier nous l'a confirmé, on a fait une présentation au mois de septembre l'année dernière chez un partenaire qui s'appelle Princis, qui est situé dans l'est de la France, à côté de Reims. Et c'était la première fois où on arrivait à, depuis un système de gestion de commandes, en l'occurrence CERM, rentrer des informations de données variables, et que sans une étape humaine, on arrive à produire sur une presse numérique des étiquettes personnalisées, parce que toute l'information de gestion de données variables a transité de CERM vers hybride. On a préparé, on a fabriqué les fichiers, et on a envoyé à la presse numérique pour qu'elle imprime. Et c'est ce que l'on est en train de mettre en place aujourd'hui chez Axel. Ouais, c'est également une... parce que bon, je pense que tout le monde est confronté à ça. Hein, l'arrivée du numérique fait qu'on a de plus en plus de petits formats, de petites quantités, pardon, je voudrais dire, et beaucoup de modèles. Ça prend vachement de temps de se dire, est-ce que je mets le modèle A, B et le C, je le mets sur deux pistes, ou etc. Grâce à ces solutions, ça réfléchit pour nous quelle est la meilleure optimisation de l'amalgame qui est à faire, une page, deux pages, sur plusieurs pages, encore une fois, puisque ça évite que l'opérateur perde du temps à sortir sa calculette, combien de rouleaux je vais faire de ci ou de ça. C'est du temps qui ne sera pas vendu, c'est certain. Donc c'est toujours dans cette même idée d'optimisation. L'autre point clé pour nous, c'est de dire qu'aujourd'hui, on voit que grand nombre de solutions de données variables sont attachées à la machine qui va ensuite imprimer. Ce qui veut dire d'abord que si vous souhaitez avoir un parc avec plusieurs typologies de machines, vous êtes à un moment donné en capacité de devoir acheter plusieurs solutions de gestion de données variables. Et puis surtout, ça veut dire que ce n'est pas flexible puisque je suis attaché à ma machine. Si tout d'un coup, j'ai un problème sur la machine A et que je veux passer sur la machine B, il faut que je refasse mon calcul. Nous, aujourd'hui, on pense que la gestion de la donnée variable, c'est du domaine du pré-presse. Ça doit être fait par le pré-presse, parce que le pré-presse a les compétences de cela. Et puis, d'autre part, je vous ai montré tout à l'heure que dans le groupe, on avait aujourd'hui la société Global Graphics qui fabrique le riz par le quin. Et donc, en fait, on a travaillé énormément dessus, sur le fait de pouvoir arriver vers la machine. On a mis une HP pour se fâcher avec personne, mais ça marche aussi avec Canon. On a mis aujourd'hui la mise en place d'un PDF optimisé, c'est-à-dire qu'on est sur du format PDF pur. La machine, quand elle reçoit le fichier, elle le comprend tout de suite, elle le traite immédiatement et on peut changer la machine à la volée. Et on voit aussi que le fait d'externaliser ça vers le pré-presse, avec les puissances de calcul que nous connaissons et que nous savons gérer, on obtient des résultats pour 25 000 fichiers qui sont de l'ordre de 4 minutes. Donc aujourd'hui, plus de ralentissement de votre presse parce que vous êtes en train de faire de la gestion de données variables, mais au contraire, quelque chose qui est complètement fluide, comme si l'impression de données variables était identique à l'impression de données statiques. Donc c'est bien, on va plus laisser tourner l'ordinateur pendant la nuit alors, c'est ça? Et plus la mauvaise surprise le matin de découvrir qu'en fait l'ordinateur avait planté et que donc... Ok. Moi, maintenant, la partie pré-presse a fait son travail. Les fichiers sont partis vers les machines dédiées.
Et en parallèle de ça, CERM va envoyer des informations directement sur les machines de production. Donc, on voit là une certaine liste, elle n'est pas exhaustive. On va avoir le numéro du job, le client, la quantité. Ça veut dire que demain, un opérateur sur la presse numérique, il a pu aller chercher à droite ou à gauche combien de quantités il doit imprimer. C'est déjà indiqué sur le panel de sa machine. La forme d'impression, il y a plein de choses. Et l'intérêt, c'est que cette machine, la machine en elle-même, va avoir aussi la capacité à récolter de l'information pour renvoyer ensuite de l'information à CERM. Mais ça, je pense que c'est assez important. On va faire ça autant sur la machine d'impression que sur les machines de finition. Donc, on peut voir aujourd'hui des réglages d'outils de découpe qui se font automatiquement par les informations issues de CERM et ainsi de suite. Et je vous dis encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Il y a vraiment plein de choses qui sont là. Toujours, ce qui est important, c'est qu'en fait, CERM va avoir la capacité à envoyer de l'information à la machine, mais aussi à récolter de l'information de la machine une fois qu'elle a produit. Et donc, ça nous permet d'avoir aujourd'hui des tableaux de bord dans CERM où à l'instant T, et Axel, tu me diras si on se trompe, non, on est capable de savoir sur chaque machine ou sur chaque job pardon, ce qui se passe. Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Hein. Je pense que de nos jours, la statistique, c'est intéressant, mais et la data, il faut quand même la mettre en forme pour pouvoir l'analyser et la comprendre. Je donne souvent un petit exemple du démarrage, quand on s'est lancé un petit peu dans ces flux de production, où on mettait tous nos œufs dans les mêmes salons. Et quand on a fait notre analyse, on s'est aperçu que il y avait tel secteur qui était plus rentable que l'autre, et pourtant on n'y mettait plus un seul sou, on faisait plus un seul salon. Mais on avait l'impression qu'on allait vachement dans le bon sens pour autant, quoi. Donc c'était quelque chose qui était assez trop grotesque presque pour ne pas s'en apercevoir, mais c'est qu'avec l'arrivée de certaines informations qu'on a pu le déchiffrer. Et maintenant, on a pris l'habitude avec ce genre de tableau qui s'alimente tout seul. Hein. Il n'y a personne qui passe une matinée, encore une fois, parce que ça, on ne peut toujours pas le vendre aux clients, à remplir ce genre de tableau, à se dire, on a eu 3 dossiers cette semaine qui étaient bien pourris, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les corriger? Est-ce qu'on peut les changer de machine? Est-ce qu'on peut changer la matière? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'il faut même limite aller en parler au client, puisque là, clairement, on met des billets dans le carton à chaque fois qu'on expédie des étiquettes. Donc ça, ce genre d'éléments, ce genre de remontée, à mes yeux, devient crucial là, dans l'analyse de nos données. Et puis je crois que c'est la partie que tu préfères, c'est que maintenant que le fichier a été produit, imprimé, fini, emballé et livré, et bon, on va pouvoir facturer. Ouais. Ah, maintenant, je t'avais dit, je le ferai, t'es contente. Non, et même, c'est vraiment devenu mon cheval de bataille d'essayer d'éliminer les tâches qu'on peut pas vendre aux clients. Avant de pouvoir automatiser, on faisait une facture de facture. De nos jours, on peut prendre le mois entier. On a créé dans le client, est-ce qu'il veut recevoir une facture par commande, est-ce qu'il veut avoir une facture avec toutes les lignes du mois, etc. On clique et nous, on fait à peu près 1400 factures par mois. C'est pas plus que 2-3 heures à tout casser et c'est tout facturé. Et selon si c'est bien paramétré, ça peut également partir par email. Donc c'est vraiment un gain de temps là où on avait peu de valeur ajoutée et je préfère largement que les équipes puissent se concentrer sur l'analyse et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc oui, c'est la partie que je préfère. Ouais. Merci de votre attention. C'est la fin pour nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... C'est qu'on a bien expliqué s'il n'y a pas de questions. Encore une fois, on est juste derrière. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions sur la partie pré-presse. Et puis, je crois qu'Axel, tu es encore là un peu. Donc, pareil, si vous avez des questions pour Axel. Et encore une fois, un grand merci à vous. Merci.